Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. J'ai eu la confirmation que le Saint-Esprit veut que je parle de ce message. Avec la joie que le Seigneur répond ce matin au milieu de nous. Dans nos maisons, vous savez, la joie, c'est une puissance. Je disais que la joie est une puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis que la joie est une puissance. La joie est une puissance. Oui, mon frère, ma soeur. La joie est une puissance. La joie brise les chaînes. La joie guérit. Alléluia. La joie fait beaucoup de choses. La joie du Seigneur. Les anciens disaient, la joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre dans le psaume 34, verset 1 à 7. Psaume 34, verset 1 à 7. Gabriela, tu es fatigué? Tu n'es pas fatigué? Bien, tu as trop chanté ce matin. Ça va? Tu es sûr? Ok. Donc, tu vas m'accompagner. Tu vas nous faire la lecture. Psaume chapitre 34, verset 1 à 7. On va lire du verset 1 à 7 d'abord. Ensuite, on prendra le verset. Ensuite, on prendra le verset 18 et 20. Verset 18 à 20. Tu lis du verset 1 à 7 et du verset 18 à 20. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Et vous allez voir pourquoi David a dit, je le bénirai tout temps et que je le louerai toujours. Alléluia. Lisons la suite. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Amen. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Que les malheureux écoutent. Que les hommes écoutent la raison. On continue. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Et il m'a répondu. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs, de toutes mes craintes, de toutes mes angoisses, de tous mes soucis, de toutes mes épreuves, de toutes mes difficultés. Alléluia. On y va. Quand on tourne vers lui, les regards on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et c'est de là qu'on a tiré le thème du message. On continue. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et le visage ne se couvre pas de honte. C'est fort. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Il le sauve de toutes ses détresses. Ce Dieu dont David parle, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'a pas changé. Le même que David avait prié et qui avait exaucé David, il existe en corps. Je dis qu'il existe en corps. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternel. Il n'a pas changé. Il est le même. Il ne changera pas. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors, la parole de Dieu nous dit et nous rassure que tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. On lit le verset 18 à 20. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Oh, l'Éternel entend toujours. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve
ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Continue le verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Ici, David, si vous voulez savoir les situations, les conditions, l'état dans lequel David était lorsqu'il écrivait ce psaume, il vivait à l'étranger. Il n'était plus dans l'héritage de ses pères. Il vivait chez les voisins. Alléluia. Il a quitté sa propre maison. Il ne pouvait plus vivre dans sa propre maison parce qu'il y avait quelqu'un qui en voulait à sa vie, qui voulait sa mort, qui voulait son malheur. Tu m'entends, prince? Il y avait quelqu'un qui en voulait à David. Donc David était obligé de fuir. Et il était dans un pays étranger. Il était dans un pays étranger. Et pour pouvoir vivre dans ce pays étranger même, il était des fois obligé de mentir. Il a fait certaines choses. Si aujourd'hui, dans l'évangile que nous prêchons, quelqu'un le fait, on va dire que c'est un péché. David a dû mentir. Il a dû voler pour survivre, pour manger, pour avoir un pain, pour manger. Vous m'entendez? David a dû, il a braqué même des gens. Ah, Seigneur Jésus. En ce temps-là, c'était des choses qui étaient courantes. Qui étaient courantes, que les gens faisaient souvent pour survivre. David était devenu comme un clochard, un sans-abri, en fait. Un homme sans valeur. Un homme qui n'avait de toi, qui n'avait pas de toi, qui n'avait aucune valeur dans la vie. Alléluia. Amen. La seule chose qu'il gardait, qui lui restait, c'était que la foi qu'il avait en l'Éternel. David avait tout perdu. C'est comme si son père était mort. C'est comme si sa mère était morte. C'est comme s'il n'avait pas de frère ni de mère. Ses frères et sœurs étaient dans la maison paternelle. En Israël, ils vivaient bien. Il mangeait bien. Mais lui, David, David était devenu un homme indésiré en Israël. Il fallait qu'il meure. Alléluia. Amen. On le cherchait partout. David se cachait dans les grottes. Il se cachait, je dis, dans les grottes. La seule chose qui lui restait, c'était son amour pour Dieu. Dis son amour pour Dieu. Son amour pour Dieu. Oh mon frère, je veux dire à quelqu'un ce matin, si on t'enlève tout, n'accepte pas qu'on t'enlève la prière. N'accepte pas qu'on t'enlève la foi en Jésus. Alléluia. Amen, amen. N'accepte pas jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, ce que je te recommande mon fils, c'est que tu combattes le vrai combat, le combat de la foi, que tu gardes la foi. Alléluia. Amen. Quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait l'offrage par rapport à la foi. Garde la foi. Garde une bonne conscience devant Dieu. Malgré toutes ces choses que David faisait, David continuait toujours de croire que Dieu l'aime. Le pain de proposition, le pain qui était réservé au sacrificateur, tellement que David avait faim, il était dans le besoin, il est allé au temple, il a demandé au souverain sacrificateur de lui donner, on lui a donné. Il a mangé, normalement selon la loi de Moïse, il devrait mourir. Mais David a mangé, il a donné à ceux qui étaient avec lui. Ils ont mangé, ils n'étaient pas morts. Alléluia. Amen. David dans sa souffrance, il continuait de croire que Dieu m'aime. Parce qu'il savait que Dieu m'a appelé. Il savait que Dieu m'a oint. Il savait que Dieu m'a choisi. Et dans sa douleur, il n'arrêtait pas de prier. Il n'arrêtait pas de crier. Il ne s'est pas tourné vers les hommes. Il n'a pas cherché à se confier dans les hommes. Mais David est venu se confier en Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'il nous dit. Quand il s'est confié en Dieu, ce qu'il a vécu, il s'est rendu compte. Lui qui était abattu. Il avait un esprit abattu. Son cœur était triste. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit dans le Proverbe chapitre 15. Regardons Proverbe chapitre 15. C'est fort, mon frère.
Proverbe 15, verset 13, et le Proverbe 17, verset 22. Proverbe 15, verset 13. Il est écrit jusqu'à 14 même. Bon, non, juste le verset 13. On y va. Un cœur joyeux. Proverbe 13, verset 15. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Alléluia. On nous dit que le cœur, quand le cœur est joyeux, le visage est serein. Le visage est rayonnant. Vous voyez? Lorsque le cœur de quelqu'un est joyeux, son visage est rayonnant. Alléluia. Amen. Le visage est rayonnant. En fait, déjà, quand on dit que lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie, quand on dit rayonnant, en fait, derrière le mot rayonnement, on voit une sorte de lumière, de lueur, vous voyez, d'éclat qu'on reçoit. Hein? Est-ce que nous sommes là? Amen. Non? Derrière le rayonnement, il y a l'huile. Alléluia. Amen. Il y a l'huile. On est rayonnant de joie. Derrière le mot rayonnement, il y a l'huile. L'huile qui fait briller le visage. Quand on met l'huile, on applique l'huile sur le corps, le visage rayonne. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est vivant ce matin? Amen, amen, amen. Fais coucou à Jésus. Alléluia. Dis Jésus, je suis dans la joie d'être dans ta présence. Je suis dans la joie d'être dans ta présence. Dis Jésus, je sais que tu vas me faire du bien. Je sais que tu vas me faire du bien ce matin. Dis Jésus, je sais que tu vas me faire du bien. Jésus, je sais que tu vas me faire du bien. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Le rayonnement, derrière le mot rayonnement, cela cache l'huile. Vous voyez, quand on dit rayonnement de joie, cela signifie donc l'huile de joie. Vous me suivez ce matin? Amen. Ça veut dire l'huile de joie. David nous dit, ou je ne sais pas, on va dire peut-être Salomon, dans le Proverbe 15, verset 13, que lorsque le cœur est joyeux, le visage est serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Regardez le verset. Le chapitre 17, verset 22, il est dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les eaux. Donc, dans le verset 13 du chapitre 15, on nous dit que le cœur joyeux, ça rend le visage serein. Vous voyez? Le cœur joyeux rend le visage serein. Et ici, dans le verset 22 du chapitre 17, on nous dit que le cœur joyeux, on complète en disant que le cœur joyeux est un bon remède. Donc, ça apporte la guérison. Suivez-moi très bien. Lorsque le cœur a la joie de Dieu, cela apporte la guérison. La joie ici, c'est l'image d'un cœur qui est sans souci, sans inquiétude, sans aucun problème dans son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, on nous dit que mais l'esprit abattu dessèche les eaux. Or, de l'autre côté, on nous a dit que lorsque le cœur est triste, l'esprit est abattu. On est d'accord? Amen. Lorsque le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et quand l'esprit est abattu, les eaux sont desséchées. Vous m'entendez ce matin? Non. Les eaux sont desséchées. Donc imaginez l'état dans lequel était David. Son cœur n'était pas joyeux. Son cœur au départ, quand il venait dans la présence de Dieu, n'était pas joyeux. Son cœur était attristé. Et comme son cœur était attristé, son esprit était abattu. Vous voyez? Et on dit, quand on dit les eaux sont desséchées, c'est que c'est la sécheresse, c'est vide. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de percée dans la vie, il n'y a pas de percée spirituellement. Vous voyez, on ne peut pas évoluer. Quand on dit les eaux sont secs, sèches, secs, en fait, c'est qu'il y a la mort. Vous voyez, comme le prophète Ézéchiel, Dieu va l'amener dans Ézéchiel 37, dans une vallée. Et le Seigneur va lui montrer une grande foule d'ossements
desséchés. Alléluia. Les ossements étaient comment? Desséchés. Vous voyez? Et Dieu va lui dire à la fin que tous ces ossements desséchés que tu as vus, c'est le peuple d'Israël. Un peuple qui disait dans son cœur que nos os sont desséchés, que notre espérance est morte, que nous n'avons pas d'avenir, en fait. Nous sommes perdus, vous voyez? Et c'était le cas de David, notre frère. Il se sentait perdu, il se sentait abandonné. Il se posait des questions pour sa vie, sur son lendemain. Jusqu'à ce qu'il rentre dans la présence de Dieu et tourne les regards vers le Seigneur. Vous voyez? Et Dieu va changer sa tristesse en joie. Dieu va changer son malheur en bénédiction. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a une notion qui est disponible pour changer toute situation dans nos vies en des situations de joie. Amen. Il est dit en parlant de Jésus dans Hébreux chapitre 1 que oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Donc il y a une huile qui existe qu'on appelle l'huile de joie. Frère, remarquez avec moi ceci. Prenons Hébreux chapitre 1. Verset 8, Hébreux 1, verset 8. Il a dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. En fait, c'est important cette précision. D'abord, Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Et quand on dit que quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie, c'est qu'au départ, on avait un esprit abattu. Mais quand on tourne les regards vers le Seigneur, il change notre esprit, il change notre état d'esprit. Amen. Il change notre façon de réfléchir. Vous voyez? Amen, amen. Un esprit abattu, c'est un esprit qui n'a plus d'espoir, un esprit qui est dans les ténèbres, un esprit qui ne voit pas son avenir, un esprit qui a l'impression que tout est bloqué. Oui. Alléluia. Amen. Mais Dieu va débloquer tout ce qui est bloqué ce matin. Amen. Vous voyez, on nous dit que le visage est rayonnant. Ça veut dire que l'huile de joie est une huile qui amène la distinction. Vous voyez, l'huile de joie amène la distinction. Là où on te méprisait, on te négligeait, quand cette huile vient sur toi, elle te distingue. Amen. Comme Joseph en Égypte. Vous voyez? Amen. L'esprit était au départ abattu jusqu'au jour où Pharaon va dire, amenez-moi cet homme. Quand Joseph est sorti de la prison, tout a changé. De l'esprit abattu, il a reçu un esprit joyeux. Amen. Alléluia. Et Dieu va amener la joie dans ton cœur, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Je dis que l'huile de joie, c'est une huile de distinction. Et le Dieu que tu pries, j'ai cette conviction-là. C'est depuis le début, depuis la semaine, le Seigneur me parlait d'une fraîche. D'onction fraîche. Une onction fraîche. Et je commence à comprendre pourquoi. Il y a une huile fraîche que le Seigneur est en train de déverser, qui va changer des situations de plusieurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Regardez, quand on nous dit également, on dit, l'huile, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus, vous voyez, au-dessus de tes égaux. Ça veut dire que l'huile de joie, non seulement que c'est une huile qui amène la distinction, mais c'est aussi une huile qui amène l'élévation. Je répète, Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Amen. Non, je veux dire simplement que là où tu es, ça va arriver un moment où Dieu veut t'amener dans une autre dimension où tu ne seras plus égal aux autres. Amen. 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 Si
aujourd'hui les gens pouvaient se comparer à toi, si aujourd'hui les gens pouvaient dire, voilà, lui aussi il est comme ça, je te dis la vérité mon frère, que Dieu va faire quelque chose dans ta vie, les gens ne pourront plus se comparer à toi. Amen. Devant toi, ils vont fermer la bouche. Amen, amen, amen. Oh, je te dis, frère, frère, ma soeur, les gens qui te méprisaient, peut-être parce qu'ils pensent que tu n'as rien, ils se disent que tu n'as rien. Ils vont être étonnés. Parce que l'huile de joie va couler sur ta tête. Amen. Ce matin, et ça va amener une élévation dans Alléluia. Ta vie. Au Alléluia. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Non? Alléluia. Amen. Donc, quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on reçoit l'huile de joie. Et l'huile de joie qui amène la distinction. Et l'huile de joie qui amène l'élévation. Alléluia. Amen. Non? Oui, mon frère, ma soeur. Maintenant, on a posé les bases, on a bien compris c'est quoi l'huile de joie, qu'est-ce que cela apporte, comment, c'est quoi plutôt le visage rayonnant de joie, vous voyez, et qu'est-ce que cela apporte. Retenez bien, l'huile de joie, et cela apporte deux choses, distinction et élévation. On est d'accord? Maintenant, regardons Luc chapitre 1. D'ailleurs, mais avant de prendre Luc 1, prenons 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Dieu va changer ton esprit. Dieu va changer ton esprit. Si les gens ont tellement mal parlé, et que ton esprit était tout le temps abattu. Même si tu as l'argent, ton esprit est abattu. Quand tu n'as pas l'argent, ton esprit est abattu. Même quand tu as mangé, ton esprit est abattu. Quand tu n'as pas mangé, ton esprit est toujours abattu. Ce matin, ça va te quitter, ça va te lâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et si tu manquais de quelque chose, lui de joie va amener cela, l'huile de joie va combler cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Lisons ce texte, c'est très très intéressant. 1 Samuel chapitre 1, verset 9, à partir du verset 9 jusqu'à 18. On y va, ça va être une longue lecture, mais elle est très intéressante. On y va. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa les pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder la affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu te donnes et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur ta tête. Sur sa tête, hein? Sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Alléluia. Pendant point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Voyez, elle dit, je souffre dans mon dans le cœur était triste, rempli de tristesse, d'amertume. Et on a dit que quand le cœur est triste, c'est que l'esprit est abattu. Et quand l'esprit est abattu, ça va dessécher les os. Vous voyez? On ne peut pas, rien ne peut pousser, rien ne peut germer, on ne peut rien réaliser avec un esprit abattu. Non. Vous voyez, on ne peut pas relever les défis de la vie avec un esprit abattu. Tu ne peux pas combattre ou vaincre un combat, vaincre une situation avec un esprit
battu. Alléluia. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Jésus a tout accompli pour nous. Quel que soit ce qui amenait un esprit abattu en toi, ce matin, l'huile de Dieu va briser cela et Dieu va nous donner, il va te donner un esprit de joie. Amen, amen. Amen. Ok. Donc, on nous parle de Anne qui avait un cœur. Elle-même dit que je suis une femme qui souffre en son cœur. Vous voyez? Je souffre dans mon cœur. Je souffre à cause de quoi? Parce qu'elle avait une concubine qui s'appelait Pénina, qui n'arrêtait pas de la mortifier, de se moquer d'elle. Vous voyez? Pénina ne faisait que se moquer de Anne. Pénina ne faisait que se moquer de Anne. Pourquoi? Tout simplement parce que Pénina avait quelque chose que Anne n'avait pas. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen, amen. Pénina avait quelque chose, mais que Anne n'avait pas. Même le mari de Anne dira, Anne, moi je vaux plus que 10 fils. Vous voyez? Anne pouvait s'arrêter là, mais Anne a dit non. Je parlerai de mon problème à l'éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu invoques, il n'est pas mort, mais il est vivant. Et il n'est pas un petit Dieu, mais il est le Tout-Puissant, le Dieu capable de toute situation, le Dieu qui change l'eau en vin, le Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existent point. Il est le Dieu de miracle. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Jésus n'a pas changé, mon frère. Au contraire, c'est aujourd'hui encore, il est encore plus vivant. Parce qu'il vit en nous. Il vit au milieu de nous. Il a dit, il est avantageux pour vous que je retourne auprès du Père. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et lui-même, il est parti s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour nous jour et nuit. Alléluia. On continue avec lui, Gabriela. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson, et ni vente, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Regarde ce que Élie lui a dit. Va en paix, va et en que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. C'est ce qui m'a plu. En fait, quelque chose s'est passé ce jour-là. Ce jour-là était différent de tous les autres jours. Ils avaient l'habitude, Anne, Pénina et le mari là, vous voyez, Elkana, ils avaient l'habitude d'aller chaque année au temple pour aller faire des sacrifices à Dieu. Mais cette année-là, quelque chose s'est passé. Dis avec moi, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Ce jour-là, quand Anne est rentrée dans le tabernacle, elle a vu quelque chose. Dis avec moi, elle a vu quelque chose. Elle a vu quelque chose. Oh, je dis qu'elle a vu quelque chose. Oh, je te dis la vérité, elle a vu quelque chose. Amen. Parce que comment ça peut s'expliquer? Elle qui avait un esprit abattu, mon diable, son cœur était triste. Mais subitement, simplement parce que le pasteur, ou je dirais le sacrificateur Élie lui a dit, va en paix. Et que l'Éternel exauce, entende la prière que tu lui as adressée. Ma Bible dit, cette femme s'est levée, elle qui ne voulait pas manger, elle a mangé. Non seulement elle a mangé, mais subitement, la tristesse qui était dans son cœur, l'abattement qui était en elle a disparu. Parce que si son visage a changé, c'est que la tristesse est partie. Amen. Alléluia. Amen. Si son visage a changé, c'est que son esprit qui était abattu n'était plus abattu. Son esprit s'était relevé, son esprit a été fortifié. Amen. Et elle a reçu un esprit de
joie, wow. Alléluia. Amen. Et je dis à quelqu'un, au nom de Jésus, ce que Anne a rencontré dans le tabernacle, toi aussi tu vas le rencontrer en au ce lieu ce Jésus. Matin. Amen. Même amen, toi amen, qui amen, me suis amen, sur amen, internet, amen. Si le Dieu que nous prêchons est vivant, si le Dieu de la Bible n'a pas changé, et je sais qu'il n'a pas changé, et comme il est le même, tu vas rencontrer quelqu'un. Amen, 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 amen. Dis avec moi, je vais rencontrer quelque chose. 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 Mon frère, ma soeur, je te dis, je prie pour toi. Ce mois de novembre qui va commencer, que ce mois-là soit un mois de rencontre angélique spirituelle où tu vas faire des rencontres pour ta destinée. Des rencontres qui vont changer ton histoire. Amen, amen, amen. Ah, je dis, Anne a rencontré quelque chose. Alors je prie que avant la fin de cette année, que tu rencontres quelque chose. Anne. Tu vas rencontrer quelque chose. Sur ton chemin, sur ton parcours, je prie que tu fasses une rencontre. Aïe, 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 aïe. Le visage de Anne a changé. Elle qui était triste, abattue, elle n'était plus abattue. Parce qu'elle a rencontré Dieu. Parce qu'elle a vu Dieu. Parce que Dieu a exaucé sa prière. Cette semaine, pendant qu'on priait, je crois que c'était le vendredi matin, le Seigneur me disait, huile fraîche, huile fraîche. Et je nous l'avais même dit. Et hier soir, j'étais là, je posais la question au Saint-Esprit. Qu'est-ce que je vais apporter? Et le Seigneur m'a montré une petite vision où j'aimais raconter ça à ma femme. Je voyais des hommes, beaucoup de gens qui venaient. Ils étaient nombreux. Ils venaient. Et puis ils se sont mis sur une route qui était passante. Et ils ont barré. Ils étaient nombreux, je vous dis. Ils ont pris des chaises, des tables, ils ont barré la route, personne ne pouvait passer. Mais à ma grande surprise, j'étais là en train de regarder, et puis subitement, je vois une voiture. Je ne sais même pas d'où la voiture est sortie, mais j'ai vu seulement là où ils étaient, ils avaient bloqué. Il y a une voiture toute blanche. Dis toute blanche. Toute blanche. La voiture est passée au milieu. Pouf! La voiture a créé une brèche. Il ne voulait pas quitter, mais la voiture a forcé le passage. Amen. Et je te dis, mon frère, j'ai compris que le Saint-Esprit voulait que je prêche de ce message. Il confine, il va forcer le passage pour toi. Amen. Là où c'était bloqué, Dieu va forcer amen. Le passage. Amen, amen, amen. 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 Le Saint-Esprit va forcer le passage. Amen. Je répète, Dieu va forcer le passage. Amen, amen, que amen. Ce mois de novembre soit un mois de bénédiction. Amen. Un mois où Dieu force le passage pour toi. Amen. Un mois où tu vas récolter des fruits. Amen. Amen, amen. Ah, mon frère, ma soeur. Amen. Anne a rencontré quelqu'un dans le temple. Anne a rencontré quelqu'un. Invisible, dis invisible. Invisible. Anne a rencontré quelqu'un qui est invisible, mais qui est vivant. Anne a rencontré quelqu'un qui est invisible, mais qui est vivant. Il n'a ni beauté ni éclat pour nous plaire, mais ce sont nos maladies, nos souffrances qu'il a portées. Il s'est chargé. Anne a rencontré quelqu'un qui entend les cris. David a dit, quand un malheureux crie, oui. Les ténèbres entendent et il exauce, il le délivre de toutes ses angoisses. Amen. Anne a rencontré quelqu'un qui est près du malheureux, quelqu'un qui est près de celui qui souffre, quelqu'un qui est près de celui qui est dans les difficultés, amen. Quelqu'un qui est là pour exaucer les prières, amen. Quelqu'un qui est là pour agir, pour opérer, pour restaurer, pour sauver, amen. Pour libérer, pour délivrer, pour amen. Transformer, alléluia. Amen. Amen. Là où il y avait la mort, les ossements étaient desséchés. Mais le Dieu Tout-Puissant dit au prophète Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel dit, je ne sais pas. Dieu lui dit, prophétise. Et je suis en train de prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de prophétiser.
Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Dis, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Mon frère, je suis en train de prophétiser. Amen. Sur ta vie ce matin. Amen. Dieu va forcer les passages. Amen. Là où il y avait des blocages, nous allons forcer le passage. Amen. L'huile de joie va briser le passage. Amen. Dieu va te mettre dans une voiture. Dieu va te mettre dans une voiture. Et cette voiture-là, tes ennemis ne la verront même pas. Amen. Ils ne sauront pas d'où elle vient. Mm. Dieu va te mettre dans une situation. Dieu va te mettre dans... Il va te cacher dans une situation. Quand tu vas rentrer là où c'était bloqué, les gens ne sauront même pas que c'est toi qui es rentré. Parce que le Dieu que nous prions, il va te mettre dans une voiture blanche. Et il va forcer le passage. Ce n'est pas toi-même qui va passer, mais c'est la voiture qui va te faire passer. Ah, la voiture te fera passer de l'autre côté. La voiture te fera passer de l'autre côté. Tu ne fourniras pas d'efforts. Non. Mais la voiture, Dieu va te faire monter. Et ce matin, nous sommes en train de te préparer, de t'introduire dans cette voiture. Amen. Il y a une voiture que Dieu a mis là, là, là. Amen. Mon frère, à la fin de ce culte, c'est derrière même là où tu es. Fais le geste. Ouvre la voiture. Dis, Seigneur, je rentre dans la voiture. Ouvre la voiture et rentre. Mon frère, nous sommes en train de faire des actes prophétiques. Amen. Rentre dans la voiture. Rentre dans la voiture. Rentre dans la voiture. Ouvre la porte. Elle est venue se garer à côté de toi. Elle est toute blanche. Amen. Une voiture neuve. Amen. Rentre dedans. Amen. Ouvre la porte. Rentre. Assois-toi. Choisis bien ta place. Amen. Est-ce que tu as choisi ta place? Amen. Amen. Choisis ta place. Moi, j'ouvre. Seigneur, moi, je me mets devant. Je me mets à côté non-chauffeur. Parce que je veux voir bien comment ça va casser. Là. Je veux bien voir comment même les gens ne veulent pas que ça passe. Mais en fait, ils ont voulu bloquer la voiture que j'ai vue. Mais la voiture était passée à une vitesse. Moi-même, je ne sais pas d'où elle vient. J'étais là seulement en train de regarder. On me faisait voir. Pouf! Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est celui qui fait la brèche. Alléluia. Nous avons quelqu'un qui fait les brèches. Amen. Là où c'est fermé, il vient, il l'ouvre. Amen. Il a dit, je suis celui qui tient les clés de David. Je suis celui qui ouvre, personne ne peut fermer Gabriela. Je suis celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Dieu va faire la brèche pour toi, mon frère, ma soeur. Là où c'était fermé, Dieu va ouvrir. Amen, amen, amen. Amen. Tu entends, Gabriela? Tu entends ce que je dis? C'est vrai, tu entends? C'est sûr. Tu es sûr. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas ouvrir une brèche. Alléluia. Amen. Dieu va ouvrir une brèche. Là où c'est fermé, Dieu va ouvrir une brèche. Et ce ne sera pas par nos efforts. La voiture est l'image de l'huile fraîche. De l'huile fraîche. De l'huile de joie. De l'onction de Dieu qui nous transporte. Dieu va nous donner des transports. Amen. Ce qu'on appelle des transports d'allégresse. Tu vois? C'est pour ça on parle, il nous donne l'image de la voiture. Il va nous transporter. La joie sera comme une voiture qui va nous transporter. Ça va briser les chaînes. Amen, amen. Avant la fin de cette année, amen, tu vas rencontrer quelque chose. Amen. Si Anne a rencontré quelque chose d'invisible, pensez, tu vas le rencontrer. Amen, amen. Même dans ta maison, tu vas le rencontrer. Alléluia, amen. Même dans ta maison, tu vas le rencontrer. Amen. Je te dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son visage a changé instantanément. Instantanément, son visage ne fut plus le même. Alléluia. Amen. Parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Uh-huh. Et je prie pour toi qui m'entends ce matin, que ton visage change. Amen. Je prie que ton visage change. Alléluia. Amen. Que Dieu change ton visage. Amen. Que Dieu enlève la tristesse. Que Dieu enlève
le découragement, Amen. Que Dieu enlève les angoisses, que Dieu enlève les Amen. Inquiétudes, Amen. Et qu'il Amen. Te donne la joie du Saint-Esprit. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, tu as besoin de l'esprit de joie. Regardons Luc chapitre 1, le verset 8. Luc chapitre 1, verset 8. Luc chapitre 1, verset 8. Toujours les mêmes choses. On va voir quelqu'un encore qui a rencontré quelque chose. Quand on est rayonnant de joie, c'est qu'on a rencontré quelque chose dans la présence de Dieu. On y va, Gabriela. Luc 1, verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le cours de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, toute la multitude était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un enfant, un fils, et tu dois lui donner le nom de Jean. Ok, saute, prends le verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie. C'est au nom de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne peut plus leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Et il leur faisait des signes et il resta muet. Alléluia. Amen. Zacharie est rentré. Il était normal. Mais quand il est rentré dans le temple, il a rencontré un ange. Dis un ange. Un ange. Il a rencontré un ange. Un ange. Alléluia. Amen. Ce qui est intéressant ici, on nous dit que c'était... Il était en train de s'acquitter de ses fonctions de sacrificateur. Et c'était, en fait, d'après le sort... Il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce. Vous voyez? Donc, il y avait une règle... Et il y avait un tour pour chacun. Alléluia. Je répète, hein, on nous dit que Zacharie, il avait été appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce. Donc il y a une règle et il y a un sort. Il y a chacun à son tour pour rentrer dans le temple. Alléluia. Amen. Et ce matin, je dis, c'est ton tour, mon frère. Amen. Je dis que ce mois de novembre qui va commencer, c'est ton tour. Amen. Ce mois de décembre qui va arriver, c'est ton tour. Amen. À la fin de cette année, c'est ton tour. Ton tour de rentrer. Ton tour de rentrer. Tu vas rencontrer quelqu'un. Amen. Tu vas rencontrer quelqu'un. Amen. Je répète, tu vas rencontrer quelqu'un. Amen. Tu feras une rencontre ce mois qui va commencer. Amen. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, qui va changer ta vie, qui va changer ton histoire, Amen. Qui va changer ta situation. Amen. Tu diras comme Jean, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Parce que tu Amen. Le feras. Amen. Tu le feras. Amen. Tu le feras dans Amen. Ta vie. Amen. Tu le feras, il viendra agir. Alléluia. Amen. Tous les jours, Zacharie rentrait dans le temple, mais rien ne se passait. Mais ce jour-là, quand Dieu a dit, maintenant Zacharie, c'est ton tour. Zacharie, c'est ton tour. Tour. C'est ton tour, Zacharie. Dieu a envoyé un ange, l'ange Gabriel qui est descendu. Et je dis que l'ange descend pour toi aussi. Amen. L'ange descend pour toi Amen. Et pour Amen. Ta famille. Alléluia. Amen. Et vous allez rencontrer un ange qui viendra pour arroser votre famille, Amen. Pour arroser votre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Les Amen. Choses qui ne pouvaient pas germer vont germer. Amen. Les choses qui ne pouvaient pas marcher vont marcher. Amen. Mon frère, l'onction est merveilleuse. Amen. L'onction est magnifique. Amen. Et moi, j'ai l'onction. Mon frère, je sais que j'ai l'onction. Mon frère, j'ai l'onction. Et comme j'ai l'onction, ce que je te dis là, crois-moi,
tu vas les vivre. Alléluia. Amen. L'onction brise le joug. L'onction change les situations. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te parle pas, je ne sais pas, des gens qui font la cartomancie, la magie, tout ça. Non. Je te parle de la part de l'Éternel des armées. Et je te dis que ce mois-là, ça va être ton tour. Amen. Dis ce mois de novembre, ce mois de décembre-là, avant la fin de cette année 2023, tu vas rencontrer quelqu'un. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Regarde bien. Anne a rencontré quelqu'un. Zacharie a rencontré. Vous voyez? Ça veut dire que ce Dieu-là, il y a tout. Ça tourne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ça tourne. Ça tourne. Regardez la piscine de Bethesda. On nous dit qu'à chaque moment, il y avait un ange qui descendait. Et le premier qui sautait dans l'eau, quel que soit son problème, était guéri. Et je dis ce matin, quelle que soit ta situation, la voiture dans laquelle tu es rentré là, le problème va être résolu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Mon frère, je te dis, Dieu va changer ton histoire. Amen. Dieu va rencontrer ta vie. Amen. Dieu va rencontrer ton problème. Amen. Dieu va avaler ton problème. Amen. Amen. Ce mois est un mois de bénédiction. Alléluia. Ce mois est un mois de succès. Amen. Ce mois est un mois d'élévation. Amen. Ce mois est un mois de distinction. Amen. Je prie au Amen. Nom de Jésus. Amen. Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue Amen. Dans tous les domaines. Que ce soit dans ta famille. Amen, amen. Que Dieu te distingue. Amen. Que Dieu te distingue. Amen. Que ce soit dans ton travail. Amen. Je prie que Dieu te distingue. 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 Amen. Je prie que Dieu t'élève. Amen. Que ce qui était compliqué devienne facile. Amen. La Bible nous dit que nous aplanirons les chemins raboteux. La Bible dit, une voix crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. Toute montagne sera aplanie et toute colline sera rabaissée. Alléluia. Toute montagne sera aplanie et toute colline sera rabaissée. C'est le messager qui rabaisse. C'est le messager qui aplanit. Alléluia. Amen. Et ce matin, au nom de Jésus, je prie que l'huile de Dieu vienne sur ta tête. Amen. Que l'huile de Amen. Joie vienne sur ta tête. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Une huile qui va amener la différence. Alléluia. Une huile qui va amener la distinction. Alléluia. Amen. Une huile qui va amener l'élévation. Amen. 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 Si Dieu l'a fait pour Anne, il l'a fait aussi pour Zacharie. Mm-hmm. Et s'il l'a fait pour Zacharie, maintenant pour c'est ton tour. Amen. Il va le faire aussi pour toi. Amen. Tu vas rencontrer Amen. Le Dieu qui a visité Anne. Mm-hmm. Le Dieu qui a visité Zacharie. Amen. Et toi aussi, on parlera de toi. Alléluia. Comme on a parlé de Anne. Amen. Comme on a parlé de Zacharie. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, regardez avec moi. Luc chapitre 9. Le chapitre 9. Jésus, pour montrer que ce que je dis est vrai, il amena un jour ses disciples sur une montagne qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Luc chapitre 9, verset 28. Prince, fais-nous la lecture, s'il te plaît. Luc chapitre 9, verset 28 à 36. On va profiter un peu de toi avant que. Hein? Je veux la parole du Seigneur hein? Sur Luc chapitre 9, verset 28 à 36. Okay. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, uh-huh. Jésus prit avec lui Pierre, uh-huh. Jean et Jacques, uh-huh. Et il monta sur la montagne pour prier. Ils sont montés pour aller prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alléluia. Et voici deux hommes qui venaient avec lui. Mmh. C'était Moïse et Élisée, mmh. qui apparaissant dans la gloire, mmh. parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Mmh. Qui
Pierre et ses compagnons étaient appesantis. Appesantis, hein? Appesantis par le sommeil. Mais ces temps. Mais ces temps. Tenez éveillé. Tenez éveillé. Ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes étaient avec lui. Étaient avec lui, hein? Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons-toi ton. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence. Et ils racontèrent à personne. Et ils ne racontèrent à personne. En ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Alléluia. Amen. Regardez, pour confirmer ce que je te dis, voici trois disciples. Tu peux t'asseoir, merci. Que Jésus prend, il les amène sur une haute montagne. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, les disciples, le sommeil ne commençait pas à les prendre. Mais la Bible nous dit que s'étant tenus éveillés, ça veut dire qu'ils se sont efforcés. Vous voyez? Cela signifie qu'ils se sont battus pour ne pas dormir. Alléluia. Amen. Le sommeil voulait les emporter pour qu'ils ne voient pas la gloire. Ce qu'ils ont vu a changé leur vie. Imaginez que les disciples s'étaient endormis. Ils n'allaient pas voir la gloire. Ils n'allaient pas voir la gloire de Jésus. Ils n'allaient pas voir Élie et Moïse. Ce qu'ils ont vu, ça a changé leur vie. Ce que Pierre a vu ce jour-là, ce que Jean a vu ce jour-là, ce que Jacques a vu ce jour-là, a changé leur vie, a changé leur conception sur Jésus, a changé leur foi. Alléluia. Amen. Peut-être hier, leur foi, c'était sur ce que Dieu avait fait avec les ancêtres. Mais là, ils ont vu Dieu en live. Ils ont vu Élie dans la gloire. Ils ont vu Moïse dans la gloire. Ils ont vu Jésus glorifié. Alléluia. Amen. Et je dis à quelqu'un, ne laisse pas le sommeil t'empêcher de amen, voir. Amen, amen. Ne laisse pas le sommeil t'empêcher de voir ce que je vois ce matin. Parce que je suis en train de voir une gloire qui est en train d'arriver. Je suis en train de voir une huile qui est en train de venir dans ta vie. Je suis en train de voir un ange que Dieu a envoyé pour ta situation, pour ton problème. Je te prie ce matin, ne laisse pas le sommeil t'empêcher de voir. Bats-toi contre le sang. Ne laisse pas la distraction. Ne laisse pas quoi que ce soit t'empêcher de continuer de croire. Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Continue de croire. Amen. Dieu le fait. Il le fait. Il n'a pas changé. Amen. Il y a même un homme du nom de Corneille dans Actes chapitre 10. Un païen. Un homme qui n'était pas juif. C'était un romain. Mais la Bible nous dit qu'il aimait le Dieu des juifs. Il aimait Israël. Il ne cessait de faire le monde. Et pendant qu'il priait aussi un jour, Dieu a envoyé un ange. Alléluia. Et Corneille a vu quelque chose et sa vie a changé. La vie de sa situation, de sa famille plutôt, a changé. Et je dis ce matin, mon frère, la situation de ta famille va changer. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier un peu avant de nous arrêter. Si tu as bien compris, tu vas prier. Dieu l'a fait pour Anne. Anne a rencontré quelque chose. Dieu l'a fait pour Zacharie qui a rencontré quelque chose et le visage a changé. Le visage a changé. Monsieur. Dieu l'a fait même pour Corneille qui a rencontré quelque chose et le visage a changé. Un esprit abattu dessèche les eaux. Dieu a dit au prophète Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements desséchés. Alléluia. Amen. Parle à l'esprit et appelle l'esprit des quatre vents, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Que l'esprit entre dans ce corps. Élève la voix. Prie ton Dieu. Dis Seigneur, ce matin, je rentre dans cette voiture blanche. Je rentre dans cette voiture blanche. Que je sois transporté de joie. Que je sois transporté de joie. Que je sois transporté de joie.
que ce mois de novembre, ce mois de décembre qui va commencer, que je sois transporté de joie. Dans le nom de Jésus-Christ, que ma famille soit transportée de joie. Que ma famille soit transportée de joie. De joie, Seigneur. Père éternel de gloire, je prie ce matin. Saint-Esprit, que nous soyons transportés de joie dans cette voiture blanche. Que nous soyons transportés de joie. Que nous soyons transportés de joie. Ce matin, au nom de Jésus, que le visage change. Que le cœur change, que l'esprit change, que l'esprit change, que l'esprit change, que le cœur change, que le cœur change, que le cœur change. Dis Seigneur, je dépose le cœur triste, je dépose le cœur angoissé, je dépose le cœur soucieux ce matin, et je reçois un cœur nouveau, un cœur joyeux, un cœur de chair, un cœur rempli de paix, un cœur rempli d'assurance, un cœur rempli de confiance. Un cœur rempli de foi. Aïe, adadadaba, shakatayaba, rakatayaba, shekeinanaba, soto. Voilà Dieu, voilà Dieu, mon frère, ma soeur. Voilà Dieu, voilà Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Dieu. Il y a plusieurs bénédictions dans la présence de notre Dieu. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Dieu a réservé une gloire pour toi. Le Seigneur m'a parlé de l'huile fraîche. Le Seigneur m'a parlé de l'huile fraîche. Il y a l'huile fraîche qui est disponible pour toi. Ce mois de novembre, ce mois de décembre, ce mois de novembre, ce mois de décembre, je prie que toutes tes rencontres, je prie que tes rencontres soient des rencontres bénies. Ah, que cela soit en ta faveur. Que tes rencontres soient en ta faveur. Que Dieu incline le cœur des gens que tu vas rencontrer en ta faveur. Que l'huile de joie incline les cœurs. Que l'huile de joie incline les cœurs. Que l'ange de l'Éternel t'accompagne de précède. Parle à Dieu. Même dans les affaires. Que ce mois soit un mois où tu vas moissonner. Tu vas moissonner au centuple. Que ce mois de novembre, que ce mois, ce 11e mois, le 11e, le 12e mois de cette année. Ah, Shabbat d'abord. Demande l'esprit de joie. Dis Seigneur que mon visage change. Que mon visage change. Ce mois qui va commencer. Ah, ton visage va changer. Il a rabassoto. Il y a une notion prophétique. Ce matin, il y a l'ancien prophétique. Le visage va changer. Le visage va changer. Ton visage va briller. Ton visage va rayonner de joie. La joie qui guérit les cœurs, la joie qui guérit les âmes, la joie qui guérit les familles, la joie qui guérit les familles, la joie qui guérit même les os. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi l'esprit de joie. Dis que mes os vivent, que mes os reçoivent la vie, que mes os reçoivent l'esprit de vie, que mes os reçoivent l'esprit de vie. Demande l'esprit de joie. Que la joie de Dieu remplisse ton cœur. Dis cette année, ce mois.
mois, ce 11e mois et ce 12e mois, je déclare que ce soit un mois de moisson. C'est un mois où tu vas moissonner, un mois où tu vas recevoir la joie, tu vas rire plus que tes ennemis. Guéris que mes os puissent avoir la vie, que mon cœur soit guéri. Ah, que mon visage rayonne. Si Dieu l'a fait pour un, ce Dieu n'a pas changé. Il l'a fait pour Zacharie, il l'a fait pour Corneille. C'est ton tour. Nous prophétisons par l'Esprit de Dieu. Nous prophétisons par la parole de Dieu que ce mois, ce 11e mois, ce 12e mois est un mois. Au nom de Jésus, est un mois. Au nom puissant de Jésus, espère que ça soit un mois. Mon frère, ma soeur, l'huile de distinction, l'huile qui amène la différence, l'élévation, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur merci. Alléluia. Répète avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare sur ma vie, sur ma famille, que ce mois de novembre, ce mois de décembre, le 12e mois et le 11e mois de cette année, je le déclare, c'est un mois de moisson pour moi, au nom de Jésus. Je te remercie pour l'huile de joie qui va me distinguer, qui va m'élever, qui va élever ma famille, au nom de Jésus-Christ. Au milieu de mes semblables, je le déclare, je le prophétise, je suis élevé dans mon travail, dans mes affaires. Je proclame que je vais moissonner, je vais récolter, mes affaires vont marcher au centuple, au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Seigneur, merci. On acclame le Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va s'asseoir. On va s'arrêter là pour ce moment, pour ce matin. Je veux.